aujourd'hui, pour la pause déjeuner, un site magnifique, dominant la mer. C'est un coin particulièrement connu, mais tranquille à cette époque. Afin de passer la nuit, nous atteignons la cité balnéaire de Porto Covo. Le nom Porto Covo signifie probablement « port des covos », un covo étant une sorte de nasse pour capturer homards et crabes. Au loin, on devine Sinès et son nuage de pollution. Il y a des jours où rien ne se passe comme prévu. C'est le cas aujourd'hui. Déjà, on réveille, surprise. On ne voit pas à 3 mètres. Nous sommes dans un brouillard épais qui va commencer à se lever vers 10 heures. Nous faisons un dernier petit tour en dominant les criques de Porto Covo. Porto Covo, direction Sinès, où l'on a en plus de la brume un nuage de pollution épouvantable,
qui plombait la ville. Ça pue les hydrocarbures, la centrale rejette des grands nuages blancs. Burke, on part plus loin ? Santiago de Casem. Je comprends pourquoi aucun camping-cariste n'en parle. Le parking près de la piscine, c'est presque deux jeux de cales par roue qu'il faudrait. On part plus loin ? On parle de la péninsule de Troya. On décide donc d'aller y faire un tour. Burke. Il est tout de même dommage de voir ce que la nature a fait de si beau, dénaturé par l'homme au profit du profit. Des immeubles, des tours, des golfs, des résidences de grand luxe, dans un endroit qui devrait être paradisiaque. On part plus loin ? C'est Tubal. C'est la ville. Mais vous avez dû comprendre que les grandes villes, ce n'est pas notre tasse de thé. On part plus loin ? La maison de l'eau, construite en 1770, elle recevait l'eau apportée par un aqueduc de 2 km depuis Azoia, le village le plus proche. La chapelle de la mémoire se situe à l'emplacement où aurait eu lieu l'apparition de la Vierge sortant de la mer sur le dos d'une mule en 1410. Elle est recouverte d'azur et jose, bleu et blanc, qui décrivent la légende du sanctuaire. Le Cap Espichel est un des endroits impressionnants de la Costa Azul pour son paysage naturel environnant. Il eut la fonction initiale de défense du territoire jusqu'à des temps militairement plus cléments où fut construit un sanctuaire consacré à Notre-Dame du Cap. L'église est entourée d'un ensemble de dépendances monacales qui servait de refuge aux pèlerins qui s'y arrêtaient. Construite en 1701, c'est un édifice de style baroque. Magnifique lieu que ce bout de terre au milieu de l'océan, avec cet incroyable sanctuaire. Mais comme nous y étions seuls et au dire en ce moment, la nuit il y a fréquemment des rodéos de voitures. On part plus loin ?